Coucou guys, alors avant j'avais les dreadlocks comme ça, c'était fait chez Miss Nappy, tout s'est fait chez Miss Nappy, jusqu'à ce que j'aille qu'on me les défasse. Voilà, là on me les a défaits, voilà toute la saleté qui sort du cheveu, ce qu'on appelle, ici on appelle ça l'auto, mais on a compliqué, donc là on peigne les cheveux. Ensuite on m'a lavé les cheveux, là on m'a appliqué un peu de beurre de karité et puis on va me peigner les cheveux. Avec une petite peigne chaude, mais vraiment fait pour le cheveu crépus. C'est assez agréable et intéressant. Ça permet vraiment de démêler les cheveux. Je vous rappelle que mes cheveux ont 2 ans. Hein. Ça ne fait que 2 ans que j'ai mes cheveux crépus depuis que je les avais coupés. Donc là, on continue toujours la peigne. Peignage, ça c'est dit. Et voilà un peu les résultats. On continue maintenant avec un peigne à bois. Et la fameuse question de cette dame, Bilola. En l'air de ce que les liens, tu es grave. Hein? C'est toujours important qu'une femme noire garde ses cheveux intacts et qu'elle en prenne soin. Même si elle fait les perruques, qu'elle fait de tresses protectrices et tout, mais il faut qu'elle garde ses cheveux en bonne santé. Et là, guys, je me suis fait faire des micro-twists. Donc là, c'est avec mes cheveux, comme vous pouvez voir. Ça a pris énormément de temps. Ça a pris environ 3 heures, 4 heures de temps. J'étais fatiguée, mais voilà les résultats. Moi, ma maman aime trop ce qu'on lui a fait sur la tête. Je suis trop, trop fière de mes cheveux. I like my hair. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner et puis me demander les numéros de Miss Nappy.